Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Batman Arkham Knight sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir pris des Batmobiles et avoir rencontré Poison Ivy, et on va tout de suite continuer. Oula. Alors. Ah, freiner reculer, d'accord, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Faut qu'on parte. Le maître a contesté de l'euphémisme, comme toujours. Oh, d'accord. Oracle, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. Donc j'ai encore baissé un peu les graphismes. Ça devra peut-être aller mieux. Mais vraiment un tout petit peu. Ah, Poison Ivy. Pamela, Lillian, Isley. En 1966. Bien joué, abruti. Juste là! Tu veux prendre le volant? Alors. Ok. Ok. J'espère que ça lag pas. Nice. Allez, on charge. C'est dur à contrôler en fait en restant appuyé sur Alt. Voilà qui est fait. Nice, un point. Regardons un peu tout ce qu'il y a. Du gel explosif. On va prendre une compétence de combat.
1, 2, 3, jonglage aérien. Ok, coup critique. Ah, ça c'est bien. Batman, un transport déploie d'autres tanks à Panessa Studio. J'ai prévenu le GCPD pour que leurs hommes évacuent. J'y vais immédiatement. À toutes les unités, ici le commissaire Gordon. Plusieurs tanks hostiles ont été déployés à travers la ville. Ça va, c'est pas dur à contrôler. Je veux que tout le monde quitte les rues et retourne immédiatement au... Espérons franchement qu'il y a un... On n'est pas équipé pour faire face à tout ça. Espérons qu'il y ait un patch qui améliore tout ça, les... la stabilité, etc. En fait, c'est juste un simple portage console. Enfin, un portage pour de console à PC, quoi. Ils n'ont pas optimisé tout ça. Parce que j'ai entendu qu'ils étaient seulement 12 pour faire le portage. C'est pas beaucoup. Aïe. Voilà. Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCP. J'amène Ali. D'accord. À votre demande, j'ai créé une série de simulations de diagnostic pour tester les différentes fonctions de la tenue et de la Batmobile. Il suffit de sélectionner le programme approprié et le Bat-ordinateur fournira un marqueur de navigation. D'accord. Je pense que ce sera les défis en réalité augmentée, je pense que je les ferai hors vidéo. Vraiment. Ok. Ça, on va aller là-bas. Ah oui, d'accord. On veut vraiment tout casser, hein. C'est bien ça. Ah, qui freeze, ouais. Ah, il y a des freezes à mort, hein. C'est pas grave. On fait avec. On sera en hors des bâtiments, ce sera chaud, mais quand on sera à l'intérieur, ce sera mieux. Voilà, là, ça devra pas trop laguer. C'est pas très très... enfin... L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? L'épouvantail va te briser, Batman! Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues! On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait! Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh super, une autre cellule. Alors, tu te sens mieux maintenant que je suis enfermée? Mais voilà la situation telle qu'elle est. Alors, nous avons accès à ça. Ah d'accord, c'est ça, c'est cette touche là pour la vision. Man griffe, balle fumigène, télécommande. Ok.
Faisons juste un petit tour avant. J'ai eu l'occasion d'évacuer et vous avez tous fait un choix. Vous avez ma parole que chacun d'entre vous sera médaillé quand tout sera terminé. Voici nos priorités. Priorité de... N'essayez pas de vous approcher des émeutiers, vous m'entendez? Vous allez vous faire tuer. Attendez, je vais juste remodifier un petit truc. Ça n'a pas l'air de beaucoup changer. Je veux au moins 4 voilà. Sur le toit en permanence et un groupe... L'ascenseur est bloqué, Batman. On ne peut entrer ou sortir que par le parking. C'est pas le genre d'arme qu'utilise la racaille de Gotham d'habitude. C'est pas la racaille habituelle non plus. C'est pas faux. On a dû s'y mettre à 4 pour boucler ce type. Et il avait un bras cassé. Après cette histoire de protocole 10, ça m'étonnerait pas que le conducteur nous traîne en justice et gagne. Ah oui, protocole 10, c'est ce qu'il y avait dans... On vient pas à la vitesse à laquelle c'est arrivé. Dans Batman Arkham City. Non, Jerry, ça. Est-ce que tu m'entends? Merde. Si ça tenait qu'à moi, on utiliserait ses armes au lieu de les laisser prendre la poussière. Ça équilibrerait un peu les choses. Ce serait pas un atout de trop, c'est sûr. Je fais juste un petit tour. Voilà. Un trophée de l'homme mystère. Salut, détective. Je vois que tu as commencé à mettre ton piètre cerveau à l'œuvre sur mes énigmes. J'ai eu tout le temps de les mettre au point. Après que tu m'as laissé battu et humilié à Arkham City. Je suis l'homme mystère, Batman. On ne m'enfonce pas impunément. Alors, résume mes énigmes si tu veux. Elles seront très importantes. Oh, beaucoup d'énigmes. D'accord. Black Mask. Un masque noir qui appartenait à Black Mask. De son vrai nom, Roman Sionis. On fait juste un petit tour d'abord. Une grenade à gaz hilarant, un collet et une batte de baseball. Tout l'arsenal du docteur Harley Quinzel, alias Harley Quinn, pour son récent assaut sur le commissariat de Bloodhaven. D'après ce qu'on sait, l'épouvantail a envoyé Harley pour faire sortir Ivy de la prison de Bloodhaven. Talia. Désolé. Une mitrailleuse, ayant appartenu à Peyton Riley, alias le ventriloque. À moins que ce soit la marionnette qui l'utilisait. J'ai jamais vraiment compris qui contrôlait qui. On fait juste un petit tour de tout le monde, hein. Ils ont porté par Anarchy, alias Lonnie Machine. J'étais même pas encore flic quand le gamin s'en est pris à Gotham. Depuis, personne ne l'a revu. On ignore où il est détenu. Il faut dire que le gouvernement n'aime pas trop les anarchistes. Une petite nouvelle arme. Une paire de gants électriques portés par l'électrocuteur, alias Lester Bouchinski. Le Joker a recruté ce gars le soir de l'émeute à Blackgate. C'est quand même bien fait, hein. Des morceaux de corps ayant appartenu à Warren White, aussi connu sous le nom... Le grand requin blanc. White s'est fait interner à Arkham en plaidant la folie. Pendant son séjour, ce n'est pas l'esprit qu'il a perdu. Ceci dit, son nouveau look lui va bien. Un pistolet givrant utilisé par Mr. Freeze, alias Victor Freeze. On a dû arrêter de jouer avec ce truc quand le commissaire nous a surpris à faire de la crème glacée. On a entendu parler de Freeze depuis qu'il a quitté Arkham City. Batman a peut-être enfin réussi à le raisonner. Une marionnette de ventriloque qui porte le doux nom de Scarface. C'est pas le modèle original, juste une copie du Joker. Je sais pas pourquoi, mais le clown semble avoir un faible pour ce genre d'horreur. Un ours en pluche et un bidon rempli de formules titans appartenant à Bane. Aucun alias connu. On a dû libérer Bane suite aux événements d'Arkham City. Il était très perturbé de toute façon. Il
souffrait d'un grave manque de titan. À mon avis, il s'est retiré quelque part le temps de se refaire. Et quand il reviendra, il ne sera pas content du tout. Une fiole remplie de formules titan, un dentier mécanique explosif, une paire de lunettes à rayons X, un pistolet en plastique chargé d'un drapeau et de 5 balles réelles. Tout a été utilisé par le Joker. Aucun alias connu. C'est un sacré coffre à jouer. Je suis bien content de savoir que personne ne jouera plus avec. Ah, le chapelier fou. Sur mesure, porté par Jervis Detch, aussi appelé le chapelier fou. Un vrai malade mental. Il a voulu lobotomiser Batman à Arkham City. Au lieu de ça, il a été expédié au pays des merveilles. Ça m'a fait mal de le laisser filer. Ce type est trop malsain pour être libre. Un fusil et 2 canons sur bracelet, utilisés par Floyd Lawton, alias Deadshot. Encore un gars qu'on a dû laisser filer après la fermeture d'Arkham City. Heureusement, on a eu la bonne idée de lui confisquer ses jouets. Un collier électrique de l'asile d'Arkham. Il était porté par Killer Croc, Wayland Jones. On l'a retrouvé dans les égouts au-dessous d'Arkham City. Et c'est mauvais signe, parce que ce truc nous permettait de le garder sous contrôle. 2 sabres de cérémonie utilisés par Ra's. Enfin, Ra's al Ghul. On les a trouvés au pied de la tour Wonder, le soir du protocole 10. Ils étaient couverts de sang, mais aucun corps. Ok. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses, hein. On va beaucoup l'utiliser ce mode, hein, comme dans tous les Batman. C'est pas moi qui vais l'arrêter. Ne regardez pas. J'ai déjà entendu ses excuses, monsieur. Allez au diable ! Foutu bureaucrate. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles ? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. Fernandez, c'est Gordon. Ok. Soldat de feu, okay, parfait. Progression globale. D'accord. Ok. On fera celle-là. Bonne. Aaron Cash. Toujours pas de nouveaux points. Chance là-bas, Batman. Ok. Dès que vous aurez fini de fouiller les quais, je veux que vous contactiez Michaels et que vous reveniez le long de l'Istiver. La moitié des émeutiers ont des masques à gaz. Ils ne regardent pas les infos ? La toxine de l'épouvantail passe à travers tout. On n'est pas de taille à affronter ça. J'ai des hommes à terre et je peux pas les aider. Les gens oublient que les dégénérés habituels sont toujours là. Ils vont sûrement pas faire de pause. Oui. On fait le petit tour, encore une fois. Hey, Batman. Je crois que je commence à trouver Ivy attirante. Vous voyez ? C'est normal.
Comment on peut voir ses cheveux? C'est nouveau ça? Ses cheveux ont une couleur différente. Enfin, son vieux rayon X. Ok, parlons-lui. Tu ne peux pas m'enfermer comme une vulgaire humaine. Tu sais que ces murs ne me retiendront pas longtemps. Mais bon, si tu te sens plus en sécurité comme ça, je te l'accorde. Pour le moment. M'enfermer est un signe de désespoir, Batman. Je le vois dans tes yeux. Tu as peur. Sauf que tu regardes pas mes yeux, là. Pourquoi perds-tu ton temps à aider ces pathétiques créatures? Elles sont si primitives comparées aux plantes. C'est Harley qui m'a permis de m'évader de cette cellule à Bloodhaven. Pourquoi tu n'essaies pas de l'arrêter? M'enfermer est un signe de désespoir, Batman. Je le vois dans tes yeux. Faisons un peu de tour, un petit peu de tour. On garde ce bâtiment bouclé. Les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. J'avais entendu comme un bruit de glace. D'accord. Non, c'est pas par là la sortie. C'est par là. Je l'avais jamais vu d'aussi près. On est tous avec vous, Batman. À 100%. Owens du resto veut sûrement votre mort. Mais les autres sont dans la team Batman. Ouais, pauvre gars. Il va plus pouvoir se regarder dans la glace après ce qui s'est passé dans ce restaurant. Il va perdre sa plaque, c'est sûr. Ah, c'est Owens. C'est un bon flic. Son boulot, c'est sa vie. Il mérite pas ça. Toujours aucune trace du prédicateur. Calme plat. Quelque chose me dit qu'il finira par se montrer. Qu'est-ce que tu fais là, Ryder? Hé, hey, comment on va, mon justicier préféré? C'est pas ta nuit, on dirait. Tu ne devrais pas être à Gotham. Tu te demandes ce que c'est que cette cassette? Je te le dirai si, en échange, tu me promets de me tenir au courant. Marché conclu? C'est dangereux. Tu aurais dû évacuer avec les autres. Et passer à côté du scoop de l'année? Ou plutôt, du siècle? Ça y est, je tiens ma chance de revenir au top. Donnant, donnant, Batman. Quoi de neuf sur l'épouvantail? Tu as des pistes? Évite les problèmes. Eh, j'essaie, mais il me rattrape toujours. Jack Ryder, je ne sais pas c'est qui. Un journaliste. Ok. Un journaliste, ok. Ah. Enigma. Ok. Niveau histoire, toujours rien. Ok. Allons-y. Oh, d'accord. Laissez-moi deviner, on va les accumuler petit à petit. Je le sens bien, ça. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Oh! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, d'accord. Bah, j'ai bien fait de le faire. Désolé, alors je regarde au maximum. Hein. Je m'attends toujours à ce que quelque chose de terrible arrive. Et puis je me rends compte que c'est déjà arrivé. On va juste continuer la vidéo jusqu'à ce qu'on sorte du commissariat. Ensuite on s'arrêtera là. Même Gordon a l'air inquiet. C'est pas son habitude. C'était trop calme depuis trop longtemps. Ils planifiaient leur cours. On entendait que ça aux infos. Gotham est exemplaire. Gotham est sûr. Criminalité zéro. T'as la vitesse. On a tout gobé. On aurait dû se méfier. Gotham a toujours été pourri. Voyons voir l'infirmerie. Batman, on s'en sort pas très bien là-dedans. On dirait pas, mais on est les plus chanceux.
n'a pas vraiment été d'un grand secours. Les criminels doivent bien se moquer de nous en ce moment. Je dois retourner là-bas. Pas question. Vous avez une commotion cérébrale. Ils ont besoin d'aide. Bobby, vous ne pourrez aider personne. Ils l'ont sorti de la voiture. Vous allez vous faire. Je l'entendais crier. Oh, Bobby. Toute la foule en hurlant. Bobby. Ouais, donc je pense qu'on va devoir la remplir petit à petit. Je vois encore la voiture foncer sur nous. Batman, je voulais vous dire, on est content de vous avoir. Vous êtes sûrement plus en sécurité que nous tous réunis ici. Mais faites attention à vous. D'accord. Ce truc est passé au niveau supérieur. D'après le soutien aérien, il s'est changé en tank. Oh, n'approchez pas trop. Il est là, on se replie. Ok. Bonsoir, monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. Vous voulez me remercier, monsieur Wayne ? Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Lucius Fox, PDG de Wayne Industries, d'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStain pour ChatGPT HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.